L'orque, également connu sous le nom de « baleine tueuse », est l'un des plus grands et des plus emblématiques mammifères marins. Voici une description détaillée de l'orque. Apparence, l'orque est un cétacé à la silhouette élégante et puissante. Elle possède un corps fuselé, une tête massive et arrondie, avec une mâchoire inférieure proéminente. Les orques ont un dos noir distinctif, contrastant avec leur ventre blanc et des taches blanches ou grises sur les côtés. Les individus adultes peuvent mesurer de 6 à 9 mètres de longueur et peser jusqu'à 5 à 10 tonnes, les mâles étant généralement plus grands que les femelles. Nageoire dorsale. L'orque se distingue par sa grande nageoire dorsale, appelée « nageoire dorsale », qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de hauteur chez les mâles adultes. Cette nageoire est droite et pointue, et sa forme peut varier d'un individu à l'autre. Chez les femelles et les jeunes, la nageoire dorsale est généralement plus petite et courbée. Intelligence et comportement social. Les orques sont considérés comme l'un des animaux les plus intelligents de l'océan. Elles sont connues pour leur comportement social complexe et leur capacité à communiquer entre elles par des séries de clics, de sifflements et de vocalisations spécifiques. Les orques vivent en groupes sociaux appelés « pods » qui peuvent compter de quelques individus à plus de 40. Les membres d'un pod maintiennent des liens familiaux forts et travaillent en équipe pour chasser et se protéger. Adaptation physique. Les orques possèdent plusieurs adaptations physiques remarquables. Leur corps fuselé et hydrodynamique leur permet de nager rapidement et efficacement dans l'eau. Leur peau est épaisse et résistante, avec une couche de graisse isolante qui les aide à maintenir leur température corporelle dans les eaux froides. Leur système respiratoire leur permet de retenir leur respiration pendant de longues périodes et de plonger profondément pour se nourrir. Régime alimentaire. Les orques sont des prédateurs carnivores et se nourrissent d'une grande variété de proies, notamment de poissons, de calamars, de phoques, de lions de mer et même d'autres cétacés. Certaines populations d'orques ont développé des techniques de chasse spécialisées, comme la technique de « la vague » pour échouer les phoques sur la plage. Les orques sont connus pour leur régime alimentaire diversifié et spécialisé. Certaines populations d'orques se spécialisent dans la chasse à des proies spécifiques, comme les saumons, les phoques ou les baleines. Cette spécialisation alimentaire peut être transmise culturellement de génération en génération au sein des groupes sociaux. Répartition et habitat. Les orques sont présentes dans tous les océans du monde, des eaux polaires aux régions tropicales. Elles préfèrent généralement les eaux côtières et les zones où la nourriture est abondante. Certaines populations d'orques sont migratrices, tandis que d'autres restent dans des zones spécifiques tout au long de l'année. Communication complexe. Les orques ont une communication complexe et diversifiée. Elles utilisent des clics, des sifflements, des grognements et des vocalisations spécifiques pour communiquer entre elles. Chaque population d'orques a son propre dialecte vocal distinct et les membres d'un pod peuvent se reconnaître et se coordonner grâce à ces signaux acoustiques.
Comportements sociaux. Les orques sont très sociales et vivent en groupes étroitement liés appelés « pods ». Les pods sont généralement composés de membres de la même famille, avec une structure hiérarchique complexe. Les orques sont connus pour leur coopération lors de la chasse, leur partage des ressources et leurs soins des jeunes membres du groupe. Les orques continuent d'intriguer les scientifiques et les amoureux de la nature par leur intelligence, leur comportement social complexe et leur rôle clé dans les écosystèmes marins. L'étude et la conservation de ces magnifiques créatures sont essentielles pour préserver la biodiversité marine et assurer leur survie à long terme. La reproduction chez les orques est un processus complexe et fascinant. Les orques atteignent leur maturité sexuelle à des âges différents selon les sexes. Les femelles peuvent atteindre leur maturité sexuelle entre l'âge de 6 et 15 ans, tandis que les mâles atteignent généralement leur maturité sexuelle entre 10 et 15 ans. Cependant, les mâles ne sont souvent pas en mesure de se reproduire efficacement jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain statut social et une taille importante. L'accouplement chez les orques se produit généralement en eau libre. Les mâles cherchent à s'accoupler avec des femelles réceptives en utilisant des rituels de parade nuptiale, qui peuvent inclure des sauts, des vocalisations et des comportements de démonstration de force. Une fois que la femelle a accepté le mâle, l'accouplement a lieu avec une pénétration rapide. Captivité controversée. Les orques ont été capturés et détenus dans des parcs à thème marin pour des spectacles et des attractions. Cependant, cette pratique a suscité des controverses en raison des préoccupations liées au bien-être animal et aux conditions de captivité. De plus en plus de pays ont interdit la captivité des orques et d'autres cétacés, favorisant plutôt l'observation responsable dans leur habitat naturel.